Mais cerisier, c'est Morgan et Rosalys. salut! Salut! Aujourd'hui, Aujourd'hui, on on joue joue à à Légende Légende Pokémon Pokémon Arceus, Arceus, épisode 2! 2. Allons-y! Allons-y! Enfin, ça va être la véritable découverte du jeu. La véritable découverte! Moi, je considère que là, ça va être la vraie découverte, parce que jusqu'ici, ce qu'on a fait, c'était un gros didacticiel. Et du coup, maintenant, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Et surtout, tu vas peut-être changer de tenue. Bah oui, il est plus que temps. Donc, on a récupéré 3 Pokémon dans l'épisode précédent, et maintenant on doit retourner voir la chef du groupe Galaxy ici. Donc me voilà arrivée. Avant d'aller à l'objectif, je voulais dire un Funèbre. grand bienvenue à Karine Merlin qui nous a rejoint parmi les membres cerisiers il y a 10 jours et qui met un message adorable en disant bonjour Rosalie, je me suis abonnée il y a 10 jours, je voulais juste vous dire que je vous trouve adorable, toi et moi, et j'adore ce que vous faites, merci à vous pour ces moments de bonheur Merci. avec vous. Merci infiniment, ça fait trop du bien de reprendre les let's play et d'avoir un tel message. Donc voilà, bienvenue à toi! Bienvenue. Et avant que tu ailles plus loin, Oui, qu'est-ce qu'il y je a? trouve que c'est vraiment intéressant de voir l'atmosphère japonaise. On retrouve des emblèmes type les emblèmes de l'Empire japonais. Hein. C'est pas exactement cela, mais ça, c'est ce à quoi ça fait penser. Et puis quand tu tournais juste avant, quand tu parlais pour célébrer la bienvenue de Karine, on voit aussi en fait tous les éléments d'architecture. Il y a de l'écriture japonaise un petit peu partout. C'est vraiment chouette. Voilà, bon bah pendant que tu parlais, je faisais un petit tour d'horizon. Ça c'est vraiment chouette hein, de pouvoir faire un tour rapide ou un tour un peu lent. D'ailleurs, ça donne envie d'aller voir les autres pièces. C'est vrai. Je m'étonne presque que tu ne l'aies pas déjà fait. T'as vu, C'est parce que je regarde. n'avais pas le lait. Il y a un combat de Et un combat sumo. de sumo, Oui, oui. c'est ça. Donc on se rappelle dans Arceus, le Japon de la fin du 19e siècle et l'apparition des Pokémon. Allez, c'est parti. Allez, pile le document, Selena. On dirait bien que tu as mérité ta place parmi nous. Félicitations. Puisque tu as réussi l'épreuve, tu peux garder la sacoche. Oui, j'ai une sacoche! Trop design, ta sacoche. Je suis impressionnée. J'ai volontairement préparé une épreuve difficile pour voir si une inconnue telle que toi serait... Oups! Mince, j'ai loupé une ligne pour voir si une inconnue serait Non, réellement c'est capable bien, de s'en c'est bien. sortir. Ah, j'ai décroché mon regard. Contre toute attente, tu l'as réussi haut la main. Et oui, prends ceci, c'est l'uniforme officiel du corps des chercheurs. Oui! Oh, ça y est, tu vas te changer. C'était pas possible de rester avec un t-shirt et un hobby. Vous tenez l'uniforme officiel et les sandales officielles. Donc vous l'aurez remarqué, on est tellement enthousiaste sur ce jeu qu'on a commencé hier soir et ce midi pendant la pause déjeuner. Yo! Avant même de manger, Avant on même de joue. manger. Du coup, vous entendrez peut-être le ventre de Morgane Mais gargouiller. oui. Va te changer au logis, dans la chambre où tu as passé la nuit, puis rentre au bureau de notre dirigeant au deuxième étage du siège. Considère cela comme ta première mission en tant que membre du corps des chercheurs. Changez-vous devant le miroir qui se trouve au logis et revêtez l'uniforme officiel ainsi que les sandales officielles. Bon, bah, ça y est, tu peux retourner au logis. Je rentre chez Attends, moi. Quoi? attends, j'ai envie de visiter. Ah ben, tu veux pas Ah qu'on oui, change non, t'as avant? raison, on va changer avant. Moi, dans ce Bon bah je type vais me changer d'univers, et après je te laisserai visiter, explorer. explorer. Mais du coup les magasins sont ouverts là. Mais Parce que en il pleine l'était, nuit. il l'était, hein. Non mais tu sais, en pleine nuit quand je suis allée dormir, Ouais. c'était pas ouvert Ah, justement. Enfin ça suivait la chronologie du jeu. oui. Donc on va se changer. Hé, t'as vu? J'allais dire, j'allais pas rentrer en On va se chaussures quand même. reposer. Et t'as vu, je suis pieds nus J'ai là. vu, j'ai Ça a vu. automatiquement mis mes Enlever tes chaussures. chaussures. Bah non, elles sont où mes chaussures? Tu les as posées devant l'entrée, je pense. Mais non, ici! Tu vois, ici, ça devrait être Vas-y. ici. Oui, mais si tu vas. Là, je Ah, suis ça y est, elles chaussée. réapparaissent. Ah, t'as un pouvoir de disparition des Oui. chaussures. Pouvoir magique! Pourrait y Cache avoir les un détail chaussures. de plus, en fait. Ça Oui, aurait les chaussures pourraient pu. apparaître. Ouais, faire montrer les chaussures. Souhaitez-vous vous changer? Souhaitez-vous changer? Oui. Please. Revêtez votre uniforme officiel et chaussez vos sandales officielles. Alors, les sandales, j'ai hâte de les voir. Hein.
Aucun article n'est disponible. Ah, c'est mon t-shirt. Ah, uniforme officiel. Non, non. Oh, j'ai oublié de remettre mon écharpe. Un petit air de Shinobi. Waouh, c'est hyper beau. Et sandales officielles. Oh, dis donc. Elles sont hyper grosses. Voilà. Oh, lentilles de couleur. Noisette, gris, vert, bleu. Quoi, dès maintenant, je peux... On dirait. Oh, Killaling. Merci Killaling. À Gwenoline pour ton super chat. Ah, qui apparaît après coup. Coucou, petite pensée à Morgane, ce soir, c'est crêpe. Oh, c'est trop bien, c'est bien. N'oubliez pas, effectivement, c'est bientôt la Chandeleur. Mercredi 2 février, on fête la Chandeleur. Mais, en fait, c'est tous les jours la Chandeleur, si on le souhaite. T'as pas vu, hein, on peut vraiment changer dès maintenant de couleur juste avec le miroir. T'as toutes les lentilles qui sont disponibles. Peut-être que je vais changer de couleur tous les jours, en fait. Là, je vais mettre jaune parce qu'il n'y a que d'autres éléments jaunes. Ou alors, attends, j'hésitais avec Coquelicot. Et après, Rosalie dit que je prends du temps pour visiter. Mais en fait, vous avez vu le temps qu'elle peut passer sur le changement de couleur de lentille. Juste ça. On n'a que ça pour l'instant. Mais non, on a toute la tenue, regarde. Regarde la super tenue. On aura d'autres personnalisations. Yes. Vous avez revêtu votre uniforme officiel. Oh, c'est hyper beau. Faut que j'aille chercher mon écharpe. J'adore les gros problèmes de la vie. Ah, ça y est, tu repars direct. Ben voilà. Maintenant que tu t'es changé, on a vraiment l'air de deux collègues. Mais je me demande quand est-ce que la chef a fait fabriquer cet uniforme pour toi. Je constate que... Je constate que tu as revêtu ton uniforme. En ce qui concerne ton logement, tu peux garder la jambe que tu as occupée hier soir. Prends ceci également. Ça, elle a l'air sévère, mais finalement, elle est pas méchante. Elle est pas méchante. Oh ! Le bandeau ! Le bandeau ! Ah, je fais des captures d'écran à fond, là. J'adore le petit tac ! Ça fait vraiment japonais. Maintenant, va saluer notre dirigeant. Est-ce que tu veux faire de l'exploration? On va directement saluer le dirigeant. Oui, on fait de l'exploration. Ok. Trop bien. C'est vraiment ces ambiances typiques. Là, c'est l'infirmerie. Oh là là. Ça me rappelle un petit peu aussi Sakura Wars, Sakura Taisen, qui se passe à peu près à la même époque. Higia. Ah bah en fait, c'était je l'avais doublé, en fait, c'est une femme. Donc, donc si jamais tu es attaqué par un Pokémon, repose-toi au bivouac le plus proche. Tami. Alors comme ça, tu as réussi à rejoindre le corps des chercheurs. Pense bien à te fabriquer des potions, elles te seront toujours utiles. Oh, quelqu'un. Il y a un malade. Oui, mais il a son intimité. Il a son intimité. Ah là là, c'est très très bien réalisé. Il y a une porte. C'est vraiment vraiment bien fait. On peut pas rentrer? Ah mais on peut descendre. J'ai l'impression qu'il y avait un autre escalier en haut. Il faut monter. Ah. Ah d'accord, ils ont mis deuxième étage français quoi. Bon, la caméra, faut des fois un peu l'aider. Mais je t'ai dit, il faut utiliser les deux en même temps, les deux sticks en même temps. Faut que tu arrives à le manipuler, hein, on est en 2022. Alors, rez-de-chaussée. Voilà, on est déjà rentré. Bon, du coup, faut qu'on monte. Hop là, on est parti à l'étage. On est au premier étage, le vrai premier étage français. Je me demande si j'ai un... Un bandana blanc ou un truc qui pourrait faire... Non, regarde, on dirait un lieu d'études. Ah oui, Borsol. Nous habitons maintenant sur de nouvelles terres, ce qui signifie qu'il y a encore beaucoup à faire. Uis, les Pokémon sont pleins de mystères. J'espère que tu pourras nous aider à les élucider. Oh, un Evoli. Evoli. J'ai augmenté le son dans le jeu de la musique et des cris des animaux. Vous me direz si c'est mieux. Mélie. Donc,
Il faudrait construire un nouveau logis à chaque fois que quelqu'un tombe du ciel. Il va y avoir d'autres gens qui vont Mais tomber j'ai qu'une du seule ciel. Chambre, moi. J'ai oui. pas tout le bâtiment. C'était beau. Il y a vraiment beaucoup de détails partout. Ouais. Ouh. C'est le chef. Tu as essayé d'aller voir à côté avant ? Ah non, tu es obligé de voir le chef. Obligé de voir le chef. Quelle tenue ! Je t'attendais. En fait, je pense qu'il n'est pas si vieux, mais la moustache le vieillit. Mais t'as vu ce super beau kimono ? Je suis Cormier, le dirigeant du groupe Galaxy. Avec ta tenue, t'as vraiment pas une tête de Cormier. Hein. Pourquoi ? Non, mais en fait, j'aurais aimé qu'il garde les noms japonais. Oh, c'est donc toi. Ah, c'est dans ce sens-là. Oui. Ah, ouais. C'est donc toi, Rosalys. Oui, monsieur. C'est un honneur. Tu as l'air de connaître les bonnes manières. On m'a expliqué l'essentiel de la situation, dont ta chute depuis la faille spatio-temporelle. Bon, voyons un peu ce que tu vaux. Mais j'adore leur gestuelle, quoi. Wow. Affronte-moi. Oui. Tenter une prise, foncer sur lui. Je vais tenter une prise. Non mais vraiment. Yaha. Me voilà par terre. Tu ne manques pas d'elle. Tes techniques de sumo laissent à désirer, mais tu sembles avoir du potentiel. Ouais. Ça doit être sumo à fond, déjà qu'on avait vu une affiche en bas. Toutefois, ne t'attends pas à recevoir un accueil aussi chaleureux que le mien de la part de tous. Pour certains villageois, l'arrivée d'une personne tombée du ciel est un phénomène inquiétant. Bah oui. Et pour les plus superstitieux d'entre eux, c'est même probablement le pire des présages. Cependant, ta réussite lors de l'épreuve est indiscutable. Alors qu'apportent tes origines mystérieuses, tu fais partie de Rusticité désormais. Consacre-toi entièrement à tes recherches pour le groupe Galaxy et complète le Pokédex. Je dois néanmoins te prévenir, Rosalys. Les Pokémon sont des créatures redoutables. Sur le moment, j'ai lu trop vite, j'ai lu adorable. C'est ce que tu remplaces par tes propres mots. Je te conseille donc d'être extrêmement prudente lors de tes recherches. Mission principale accomplie. Bravo. Tampon. L'épreuve. Je vois que notre dirigeant t'a accepté. Tu es maintenant membre du groupe Galaxy. Ton rang est actuellement de 0 étoile. 0. Si tu fais du bon travail au sein du corps des chercheurs, tu monteras en rang. Pour monter en rang au sein du groupe Galaxy, il faudra que tu m'aides à remplir le Pokédex. En faisant cela, tu œuvreras en plus à ta mission personnelle, aller à la rencontre de tous les Pokémon. Prends ceci, tu en auras besoin. Une méthode pour confectionner des Pokéballs. Oh. Méthode. Il te faut une noix grume et un galet. Noix grume. Voici également. Voici également 3000 Poképièces. Utilise cet argent pour t'acheter des ressources. Elle est bien sympa là, Selena, dis donc. Oui, mes premières pièces. Aurel, tu lui enseigneras tout ton savoir-faire sur la conception d'objets. Bien reçu. Je vais t'enseigner tout ce qu'il y a à savoir, fais-moi confiance. Tous les objets qu'on utilise au groupe Galaxy, on les fabrique nous-mêmes, et à la main. Évidemment, on peut aussi en acheter à la boutique, mais un chercheur digne de ce nom doit apprendre à se débrouiller tout seul. On fabrique même nos propres Pokéballs. Mais le plus simple, c'est de s'y mettre. Allons à l'atelier pour voir tout ça. Lui, il est sympa comme compagnon. Oui. C'est pas un rival. L'art de la confection. Activez le guide. Ah, je pense peut-être que le guide, c'est pour mettre l'endroit où tu dois aller. Ah, ça ? Ouais. Bah, je trouve que c'est utile. Hein. Sortir. Oh. Esra, j'ai entendu dire que tu avais rejoint le groupe Galaxy récemment. Toutes mes félicitations. Je me nomme Esra. Je tiens une humble boutique de vêtements au village, la maison du textile.
Putain, je viens de me changer. Ne me tentez pas. On ne va bientôt plus avoir d'argent. Le professeur m'a demandé de te donner ceci. Franchement, ils ont tous des super belles tenues. Vous recevez un kimono et une culotte longue. Une culotte. Ça te fait tellement rire que tu en tousses. Il y a de nombreux commerces au village. N'hésite pas à t'y rendre à l'occasion. Au plaisir. Il doit y avoir une occasion particulière pour qu'elle me donne un kimono. Oh, c'est par là l'atelier, hein, Rosalys. Va pas te perdre à la boutique. T'as besoin de ton argent. Mais j'ai un kimono, j'ai envie de m'habiller. Mais tu es habillée, déjà. Ça, c'est l'établi. C'est là qu'on confectionne nos objets. Regarde, t'es un peu comme Tom Nook. Enfin, t'es comme dans Animal Crossing avec ton petit établi. Je vais te donner de quoi fabriquer une Pokéball. On va dire que c'est mon cadeau pour te féliciter d'avoir réussi l'épreuve. Tu trouves pas que ça ressemble à un panier de pique-nique avec une assiette et puis des couverts? D'accord. D'ailleurs, oublie pas l'argent que la chef t'a donné. Profites-en pour t'acheter ce qui te plaît. Lis la méthode pour savoir de quelles ressources t'as besoin. Une fois que t'es à l'établi, t'as plus qu'à choisir l'objet que tu veux fabriquer pour te mettre au travail. Allez, vas-y, essaye. En utilisant les établis présents en rusticité et dans les bivouacs, vous pouvez confectionner divers objets, comme des pokéballs. Pour confectionner un objet, vous avez besoin de la méthode et des ressources correspondantes. C'est assez classique, du coup. Hein. C'est le craft classique. C'est marrant, comme dans tous les jeux, pas tous les jeux, évidemment, mais beaucoup de jeux, ça s'est établi comme un élément de base, maintenant. T'as vu, c'est quoi? Attends. 20, 0, 1. À quoi correspond le 20? J'en ai pas de noix grumes, j'ai rien attrapé encore. Ouais, c'est comme si... Ah non, j'ai 20 Pokéball peut-être, hein? Tu vois? Non, je pense que t'as besoin... Et Pokéball, j'en ai 16. Ouais, je pense que t'en as 20 de noix grumes. Il t'a donné 20 noix grumes et 20 galets. Ah bon, je peux en fabriquer. Ouais, voilà, tu peux en confectionner 20. Pour le test. Vous avez créé une Pokéball, vous la rangez dans votre sacoche. Ah, c'est bien! Mais il n'y a pas de petite animation! Oui, mais par contre, de ce point de vue-là, c'est mieux fait que dans Animal Crossing. Si tu veux en faire 20, tu ne vas pas le taper 20 fois. Oui, mais il n'y a pas de petite animation. Tu aurais voulu voir. Bah oui. Pour un premier essai, c'est du beau travail. Quel magnifique Pokéball! Comme je te l'ai expliqué, les Pokémon possèdent un don mystérieux qui leur permet de devenir minuscules. On peut alors les attraper grâce au Pokéball qui tire profit de ce pouvoir. Et une fois les Pokémon capturés, ils sont répertoriés dans le Pokédex que voici. C'est nouveau ça, de dire qu'ils ont un pouvoir d'être minuscules. Oui, moi j'ai toujours pensé que c'était la Pokéball qui les absorbait. Oui, moi aussi. Vous obtenez un Pokédex. Un livre compilant tous les résultats des recherches sur les Pokémon. À chaque nouveau Pokémon découvert, le professeur Lavande ajoute les pages correspondantes. Oh ! C'est un beau Pokédex. Un... papillé avec une petite cordelette. Alors, membre 0 étoile... Tâche non rapportée 13. Point avant le rang supérieur 500. Enregistrer 7, attraper 4. Ok. À ouvrir. Oh, moustillon. Du coup, après, t'as tous les messages. Moustillon, brin d'hibou. Faut que t'en attrapes. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de, choses notées. Hein. Non. Faut que t'en apportes en spécimen au professeur. Pour l'instant, comme on n'avait pas le. Pokédex, quelque part, ben, on n'avait pas cette possibilité. Je l'ai préparé rien que pour toi. J'espère qu'il te sera utile pour aller à la rencontre de tous les Pokémon. Ouais, si tu veux le compléter, il faut que tu fasses des tâches Pokédex. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je reprenne mes recherches, moi aussi. Je crois que c'est le moment de t'expliquer en quoi consistent les tâches Pokédex. Pour ça, rendons-nous au bivouac des plaines, Rosalys. Début de recherche, les tâches Pokédex. Je vous laisse parier si Rosalys va d'abord aller à la boutique se changer ou alors aller au bivouac. Je crois qu'elle n'a pas le choix. Émilion. Désolé de te déranger, mais j'ai entendu votre conversation avec le professeur. Puisque tu te rends au bivouac des plaines, est-ce que tu pourrais me rendre un petit service? Oh. Comme je dois monter la garde devant le siège, je ne peux pas trop m'éloigner de mon poste. Donc, reviens me voir ici si tu veux bien m'aider. Si une personne a un service à vous demander, une icône de mission secondaire s'affichera au-dessus d'elle. Pour accepter de l'aider, il suffit de lui adresser la parole. En accomplissant les missions qui vous sont ainsi confiées, vous pouvez gagner de jolies récompenses. Donc il y a des tâches Pokédex et des missions secondaires. On va prendre. Dis,
Tu connais un Pokémon appelé Shunipot? Oui, bien sûr. Apparemment, c'est un Pokémon capable de changer de forme et de devenir plus fort via un procédé qui s'appelle l'évolution. On réapprend tout. C'est le professeur Lavande qui l'a dit, donc c'est forcément vrai. Une partie des Pokémon peuvent évoluer, ce qui modifie leur apparence et leurs stats. Si vous avez rempli les conditions permettant à un Pokémon d'évoluer, vous aurez accès à l'option « Faire évoluer » depuis votre sacoche. J'aimerais bien avoir un Shunipot pour le voir grandir et évoluer. Tu fais partie du corps des chercheurs, non? Si jamais tu attrapes un Shunipot, tu veux bien me le donner? Oui. Je compte sur toi pour m'amener un Shunipot. Tu seras récompensé pour tes efforts, promis. Mission secondaire 1, Shunipot peut évoluer? Point d'interrogation. Ok. Attends. Faut que j'aille faire quelque chose dans 36 pas. Oh, mais je passe devant chez moi! C'est pas là que tu vas acheter des nouveaux vêtements. Hein. Non, mais je peux essayer mon kimono. Ah oui, et puis ta culotte longue, c'est vrai. On va voir ce que ça donne. Regarde, kimono, il est nickel. Ça veut dire qu'il peut se tacher? Oh! Ah, d'accord. Couleur nickel, peut-être. Ah oui! Attends, qu'est-ce que ça fait si j'enlève le kimono? Ah, je peux pas? Tu vois, je voulais voir juste la culotte, ce que ça faisait. Bon, par défaut, t'as le kimono et la culotte. Enfin, je sais pas si c'est une bonne traduction. Mets ton t-shirt pour voir. Voilà. Le t-shirt est forcément assorti au short. Et donc, tu peux mettre ta culotte longue, qui est ton pantalon. C'est ça. Et le kimono, ça les met ensemble, en fait. D'accord. Je pense que c'est une traduction trop simpliste. Oui, je suis d'accord. Bon, je vais pas continuer comme ça, hein. Je vais mettre mon uniforme officiel. Ah, ouais. Ah, mince. Ouf. Je reste habillée telle que j'étais. Ashpraya, elle dit, mais non, c'est la couleur, nickel. Oui. Eh oui. Eh oui. C'est drôle. Effectivement, merci. Les mots ayant plusieurs sens. Eh, est-ce que je peux... Non, je pense que est-ce le que coiffeur, je peux c'est... Aller me... ah, j'étais le sûr. Coiffeur, je pense, c'est pas encore ouvert. Que les portes sont fermées. Regarde, tu vois plein de kimonos. C'est cher les kimonos au Japon. Esra, j'ai reçu une livraison spéciale à ton attention. Vous recevez un haut futuriste, un pantalon futuriste et des chaussures futuristes. Quoi? Ça a l'air très précieux. J'espère que tu en prendras grand soin. Et je peux pas rentrer dedans? Tu peux lui parler peut-être. À la maison du textile, vous pouvez acheter une variété de vêtements et de chaussures. Bienvenue, ravi de te voir. Dis-moi que tu veux que faire. Que va-t-il advenir de notre bourse? Je peux me changer directement? Ah oui. J'ai pas besoin de re-rentrer chez moi. On peut tester le haut futur. Waouh! Ah, t'es vraiment Team Galaxy? Oui. J'imagine que le pantalon, c'est pareil. Voilà. Ouais, c'est des rayures. Ouais. Chaussures là, vraiment futuristes. Dans la tenue Team Galaxy. Je suis un méchant. Et donc au Japon, dans depuis le futur, aujourd'hui, suis... sur Amazon Prime Video, vous avez les épisodes 3 et 4 de spécial, des épisodes spéciaux dédiés à, quelque part, la sortie de ce Pokémon légende Arceus en dessin animé, qui sont sortis. Bon, j'ai pas envie de mettre cette tenue de méchant, hein. Mais j'ai envie de voir. Oh, t'as vu, c'est tourné. Oui. Acheter des vêtements. Je veux juste voir ce qu'il y a en vente. Casquette plate. Cet article n'est pas compatible avec votre coupe. Ah, c'est drôle ça. Mais je voulais juste voir. On peut pas. Mais on peut pas essayer. Je pense que c'est pas compatible avec ta coupe. Tu peux pas essayer. On va voir les autres. Ah trucs. D'accord. Voilà, les casquettes. En fait, t'as tout avec plein de couleurs. Les bandeaux, par contre, c'est bon pour moi. Le blanc, noir, rouge écarlate. Y a pas rose. Y a prune. Y a pas. J'y crois pas. Il y a orange carotte. Attends, on va essayer rouge écarlate. Mais on peut pas tester avant. Essaye sur les autres vêtements. Pas compatible avec ma coupe. Voilà, mais. Ah voilà, c'est ça. C'est que dans les chapeaux, il y avait rien qui était compatible avec ta coupe. Ah d'accord. Je peux changer la couleur de mon kimono. Bon. Bah. Et c'est ça ce qu'ils appellent culotte. Oui. Oui. Utiliser dans l'ancien sens de pantalon court, comme dit Afrayan. Eh, hey, tenue de Ryu. J'étais sûre qu'on penserait à la même chose. Ah. Oh là là, tenue de karaté rouge.
vers Sapin. Gaël. Ah, des guettas. Oh ouais, des guettas, ce serait trop bien. Tu vas avoir mal aux doigts de pied après. Oui, mais avec mes... Oh, si tu veux, des sandales. Et des guettas et des sept. Binocles. Tu veux des binocles? C'est toi, hein, c'est ton look. Bon, c'était juste pour voir. Hein. Je t'engage à revenir à la maison du textile aussi souvent qu'il te plaira. Ok. Bon, bah, je pars à la mission. Oh, tiens, oui. Y a quelque chose là. Il y a une mission à remplir, une mission secondaire. Alix. Je sais que les Lixi ont des marques distinctives sur les oreilles. Mais impossible de me rappeler à quoi elles ressemblent. Ça va travailler jusqu'à ce que j'ai la réponse. Eh mais dis donc, tu fais partie du corps des chercheurs, pas vrai? Si t'attrapes un Lixi, tu voudras bien me le montrer, s'il te plaît? Il faut absolument que j'envoie un de mes propres yeux pour me rafraîchir la mémoire. Le motif sur leurs oreilles ne me revient pas. C'est dingue, montre-moi un Lixi, je t'en supplie. Mission secondaire 3, on n'a pas eu la mission secondaire 2. Non, parce qu'on n'a pas tout visité. Ah, j'adore ça. C'est très très amusant de se promener dans le village où la mission secondaire est ici. Ah. Elle est devant des gâteaux. Amy, tu es celle qui est tombée du ciel, n'est-ce pas? Tu comptes sortir du village? Dis, c'est bien vous, au corps des chercheurs, qui êtes en train de créer un Pokédex? Tu pourrais faire des recherches sur Étourmi? Je trouve que les Pokémon sont des créatures effrayantes. Mais regarder des étourmis m'apaise. Oui, moi aussi. Hors de question que je les touche, cela dit. Oh. Tu me montreras la page de ton Pokédex dédiée à étourmis quand tu l'auras complétée. Mission secondaire 2, un étourmis tout mignon. Ah là là. Ah. Allez, on va continuer. Tiens, je te rends le... On va pouvoir aller se promener. Et je me demandais si on pouvait acheter des gâteaux. Ça se trouve, ce sont pas des gâteaux, mais des baies. Des baies, je pense, oui. Ah ouais. Attends. Chica, achète tout ce dont tu as besoin et ce qu'on n'a pas ici. Confectionne-le donc toi-même. Ouais, donc en fait, ça a débloqué. Oh. Donc tu dois pouvoir aller chez le coiffeur maintenant. Bah là, en fait, les rideaux sont ouverts. Mais chez le coiffeur, c'était fermé. Attends, on va essayer. Hein. Donc Pokéball, on peut en acheter. Potion. Rappel. On en a pas. À pâte. Lorsqu'on mélange cette boule nutritive à la nourriture, elle dégage un parfum appétissant. Et c'est la première fois qu'il y a ça, non? Ça sera pour faire des appâts. Bon, pour l'instant, j'achète rien. C'était juste pour voir. Oh! Ça, c'est ce que j'ai dans ma sacoche. C'est ça. Si tu voulais revendre. En tout cas, ça fait plaisir de voir que pour cet épisode, en pleine heure du déjeuner, vous êtes plusieurs à nous rejoindre aujourd'hui et à suivre cette vidéo. Et puis aussi dans le chat, évidemment. Ah, c'est pas vrai, t'avais raison. J'étais sûre que comme les portes étaient fermées, je pouvais pas me coiffer. Ah, oh, je veux une coupe de cheveux à 500 poképièces. Excellente idée. Ah, je croyais que j'allais juste pouvoir regarder les coupes à disposition. Bon, ça m'a débité, il faut que je change de coupe. À quoi va ressembler Rosalys en sortant? Excellente idée, je t'en prie, allons à l'intérieur. J'adore, cette vidéo a quand même commencé par aujourd'hui, on va vraiment jouer à fond dans le jeu. Hein. On est en train de jouer à fond dans le jeu. Regarde les portraits. Oui. Oh là là, cette ambiance. Nati, bien, on y va, laisse-moi prendre tes affaires et assieds-toi donc. Oh, de quoi as-tu envie cette fois-ci? Coupe courte. Coupe longue, coupe officielle, rasée, chignon noué, roulé, tresse. Ah, les tresses, ce serait tentant, mais en fait, je peux pas regarder. Ah, si. C'est un sacré look. Waouh, oh, chignon roulé, c'est très élégant. Très élégant. Ça fait aristocrate, rasé. Coupe officielle, bah, c'est celle d'Aurore. Coupe longue. Bah en fait, c'est pas de coupe, quoi. C'est juste j'enlève le foulard. Ouais. Coupe courte, ok. Bon, c'était juste pour voir. T'as la couleur, hein, après. Je crois que chignon roulé, c'est trop classe. C'est trop classe. Châtain foncé, gris foncé. Quoi, c'est du gris? Pour moi, c'est du bleu. Blond, noir, blanc. Wow. T'aimes bien en blanc? Ça te vieillit tout de suite. Hein. Bah moi j'aurais bien aimé en noir, mais en fait je trouve que le gris foncé, ça fait des reflets bleus, ouais, c'est plus vrai, beau. C'est vrai. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Les reflets. Ça doit être les sourcils. Les sourcils. Tu peux, oui, faut être cohérent. Faire avec le bouton R pour qu'on voit derrière aussi ce que ça donne ta coupe.
Attends, je remets les sourcils en gris foncé. Le bouton R. Voilà. Waouh. Tu vois, on se rend mieux compte. Superbe. Je choisis. Sélectionner, confirmer. Alors, chignon roulé, gris foncé, gris foncé. Êtes-vous sûr de votre choix? Oui. Entendu, tu seras prête en un rien de temps. Et les cheveux coupés. Et voilà, j'ai terminé, ça te va vraiment bien, tu ne trouves pas? Merci beaucoup d'être venu, n'oublie rien en partant. Eh hey. Ah, mais j'ai plus le foulard du coup. Non. Reviens quand tu veux. Tu vas pouvoir acheter un chapeau maintenant. Ah. Tu veux que j'aille voir le chapeau? Non, tu peux juste jeter un œil, pas forcément l'acheter. Parce que, déjà, comme... Ah ouais, casquette plate. Voilà. T'as raison, c'est ça. Comme dit Karine, Morgane ne pousse pas Rosalys à la dépense. C'est clair qu'il faut faire attention. Et du coup, les bandeaux. Oh, oh. Un chapeau Sugegasa. Oui, je trouve que ça fait hyper typique. Bah, il pleut pas, alors j'en ai pas besoin. Ou du moins, pas tout de suite. Ok, bon, pour l'instant, je vais c'est rester... C'est intéressant de voir. Mmh. Ouais. Je vais rester comme ça et profiter de ma nouvelle coupe. Allez, il est temps de partir. Attends. Quoi? Alors, dans l'épisode précédent, on a attrapé nos premiers Pokémon, comme on se souvient. Et je voulais voir à quoi ressemblait le pâturage. À l'ère de pâturage, vous pouvez notamment déposer les Pokémon que vous avez capturés ou changer l'équipe qui vous accompagne. Y a-t-il des Pokémon que tu voudrais me confier? Je voudrais juste voir ce que ça donne en mettant Konotor. Ah, le pâturage, en fait, c'est l'équivalent des boîtes. Les Pokémon seront toujours soignés ici. Est-ce que du coup, on va le voir se promener? Je pensais que c'était... Oui, on le voit. Où? Regarde. Ah ouais? Il est là. Ah, du coup, après, tu peux faire... Konotor! Regarde. Oh, c'est triste, il est plus en liberté. Mais bon, il est plus en liberté que dans sa Pokéball. Bon, c'est un peu plus sympa pour lui. Bon, je vais le récupérer quand même parce que... On ne sait pas si une fois qu'on n'a plus de place, ils sont automatiquement envoyés au pâturage ou pas. Ah. On va découvrir ça. Voilà, je voulais juste voir ça. Je me disais que tu avais peut-être oublié ce détail. Oui, effectivement. Mais en fait, je pensais pas que ce serait l'équivalent d'une boîte. Je pensais que ce serait l'équivalent d'une... Je sais pas, d'une ferme ou de... Tu sais, le truc où tu les fais faire des bébés, des œufs. Ah, la pension. La pension. On fait faire des bébés. C'est trop mignon, comme tu le dis. Allez, c'est parti pour l'aventure. Bien. Où en étions-nous? Ah oui. Tu vas devoir compléter des tâches si tu veux compléter le Pokédex. Tu peux le consulter pour voir tout ça en détail. Pour compléter le Pokédex, vous devrez accomplir des tâches Pokédex. La liste des tâches à accomplir diffère en fonction du Pokémon à étudier. Appuyez sur le bouton bas pour ouvrir le Pokédex et consulter les tâches à accomplir pour chaque espèce enregistrée. Fixez un Pokémon en maintenant le bouton ZL appuyé et ouvrez le Pokédex pour consulter instantanément les tâches Pokédex du Pokémon ciblé. Certaines espèces nécessitent d'accomplir des tâches un peu particulières. Allez repenser bien à consulter ces dernières. Il ne faut pas seulement les attraper. Non, par exemple, il faudra leur donner à manger. Ces tâches Pokédex consistent entre autres à attraper ou affronter des Pokémon. Tu obtiendras des points de recherche en les remplissant. À mon tour, écoute bien Rosalie, je vais te donner une astuce géniale. Parfois, les Pokémon sauvages nous attaquent et quand ça arrive, faut savoir les esquiver. Esquiver? C'est pas compliqué, regarde bien, je vais te montrer comment on fait. C'est parti. Oh! Impressionnant. Une roulade. Tu vois? C'est comme ça qu'on esquive. Si t'esquives assez rapidement, tu pourras éviter les attaques des Pokémon. Leurs capacités sont puissantes et tu risques de tomber dans les pommes si tu te fais toucher. Plusieurs fois, croisant mon expérience. Alors ça, c'est une nouveauté. Une fois, un Lixie m'a assommé avec une attaque électrique et le corps de la défense a dû venir à ma rescousse. C'était vraiment la honte. Mais t'en fais pas, je vais t'apprendre tout ce que je sais. Oui. Sauf qu'il m'a pas montré comment esquiver en vrai.
Alors attends. Ah, Y c'est esquiver. Ouah, t'esquives bien, Rosalys. On va faire la flèche vers le bas. La flèche vers le bas, c'est le Pokédex. Ok, voilà. On va essayer de mettre en application tout ce qu'on m'a appris. Un Kunotor là-bas. Il y a plein de Kunotor qui virevoltent. Il y a deux ou trois choses que tu dois savoir si tu veux t'en sortir dans le corps des chercheurs. Si tu fixes un Pokémon avec ZL et que tu appuies sur le bouton bas, ça ouvre le Pokédex. Tu viens de me le dire ? Comme ça, tu peux facilement vérifier les tâches liées à cette espèce. Bon, c'est ce qu'il faut faire. Pour Kunotor, par exemple, en attraper un ne suffira pas. Il faudra que tu en attrapes deux, puis quatre, et ainsi de suite. Ah ! Bip ! Oui ! Il est trop mignon. Que non ! Voici quelques conseils de notre chef très utiles quand on affronte un Pokémon. Avec le bouton X, tu peux alterner entre objets et boules de partenaires avant de faire un lancer. Vas-y, essaye. Moi, je t'attends plus loin. Alors. Il faut que tu suives Aurel et que tu écoutes ses conseils. Bah, j'ai fixé un Pokémon avec ZL et appuyé sur bas. J'étais pas assez prêt, peut-être. Ah, voilà. Tâche Pokédex liée à Kunotor. Spécimen attrapé 1. Ah, c'est ça tous les chiffres. Et t'as plusieurs paliers. 3, 6, 12, 25. Spécimen poids lourd attrapé. Spécimen vaincu. Apparence différente constatée. C'est shiny. Spécimen que vous avez fait évoluer, pas encore. Enquêter sur les Kunotor retors du village. Procédé indéterminé. Kunotor retors. Bon, alors, faut que j'en attrape 3. Dans ce qu'il faut que je fasse. En fait, je sais pas s'il faut que j'attende ou pas. T'as vu, ça fait augmenter niveau supérieur et une capacité. Et gagner une nouvelle capacité. Mais attends, c'est où les capacités? Je pense que tu vas dans le Pokédex. Attends, Pokédex. Parce que du coup, contrairement à ce que c'était avant. Tu sais, il te demandait tout de suite, dès qu'il y a une nouvelle capacité, est-ce que tu voulais la rajouter ou pas ? Est-ce que je peux ? Et là, il dit rien. Du coup, je me dis, peut-être qu'ils ont enfin compris que c'était un peu embêtant de devoir choisir tout de suite et de le faire un peu quand t'as envie, quoi. Non ? Oh, t'as vu, j'étais en train de m'étirer. Ouais, moi, je vais essayer d'attraper le deuxième. Ouais. Je vais essayer d'abord. Alors, dans le live chat, vous me dites « Gabriel, c'est l'anniversaire de Noëlla aujourd'hui. Elle a reçu une Switch Lite et Animal Crossing New Horizons. Elle va pouvoir créer son perso. » Oh, c'est chouette. Bon anniversaire à elle. Oui, bon anniversaire. Bonjour à The Extreme Handy 4 qui vient d'arriver. Bonne journée au boulot. T'as vu ça? Il s'est caché. Il s'est caché? Dans les plaines. Il s'est caché. J'ai pas vu. Il était en mode... Il a disparu. Ouais, il a disparu. Il y a eu ça devait être un qui était un peu plus difficile à attraper. Peut-être que c'était un poids lourd. Je me demandais comment, à quelle vitesse il réapparaissait. S'il y en a qui réapparaissaient, on dirait que c'est pas le cas en fait. Bah, je pense que c'est dans la plaine en particulier. Là, t'es en train de revenir. Mais regarde, j'ai un compteur là-bas. Oui, mais c'est d'autres quêtes. Ah, tu crois que c'est pour une autre quête ? Bah, on va voir. Ah, tu veux rentrer à Rusticité ? Non. C'est quoi ? C'est en fait c'est une ville cachée. Ouais, je pense que c'est un village caché. C'est un village caché auquel on reviendra plus tard. Bon, bah, c'était intéressant de voir comment ça se passe. Tu vois que de la brume. Ouais. Mais je pense que c'est un village caché ninja. De toute façon, on a attrapé un Kunotor. On n'a pas attrapé le deuxième. Ah, il y a un étourmi. Est-ce que je peux tenter d'aller l'attraper comme ça? Il y a une espèce de plante bizarre. Là, c'est des étourmis. Oh, t'as vu comme ils marchent? Ils sont trop mignons. Il dort. C'est trop drôle. Il s'est mis à dormir. Ah, lui, il t'a repéré, il s'enfuit. Oh, c'est chouette. Là, tu vois les comportements. Tu vois, c'est ce que je dis. Ah non, il s'enfuit l'autre. Ouais, donc c'est ce que j'allais dire, que t'avais peut-être pas besoin d'attendre, mais en l'occurrence... Oh ! T'as vu comment il a ici ? Oh, il s'envole ! Il s'envole. Attends, c'est génial ! Spécimen attrapé sans qu'il vous repère. C'est ton premier dans ce cas-là. Et regarde, il y a un Ixie là-bas. Attends, mais je trouve ça trop génial ! Ouais, je suis d'accord.
qui puisse s'envoler. Oui, Lexi. Oh oh, il t'a repéré. Est-ce qu'il repère tout le temps ou... Non, après... Non, en fait, une fois que tu t'es caché dans la verdure, il te repère plus. Il t'oublie. Alors du coup, il faut que je lui envoie, lui. Hérissandre. On n'a pas vu ce qui s'est passé. Ils sont dans la... C'est trop drôle. Il y a Hérissandre qui est en train de mettre le feu. Mais oui. Vive attaque ou flamèche. Attends, il est niveau 3, on va faire un vive attaque. Et... Est-ce qu'on peut accéder? Non, on peut pas accéder à ce moment-là aux quêtes sur ce Pokémon. Lexi vous observe. Pokéball? Ouais, je pense aussi. Utilisez. Pokéball, go! Doudoudou. Yes. Et hop, vous avez attrapé le Lexi. Ouf. Oh, quel travail! Du coup, on a deux Konotors, trois Konotors dans notre équipe. Mais du coup, en fait, ça a dû compléter en fait la quête des Konotors. Oui, alors il faudrait qu'on aille voir dans le... C'est pas là les quêtes. C'est... Non, c'est une fois que tu vois un Konotor. Ah oui. Ah. Tu sais, c'est une fois que tu le vois et t'appuies sur ZL. Mm. C'est vrai que c'est pas pratique, en fait, on peut pas le voir tout le temps. À moins que... Attends... En ah haut, oui, t'as raison. Ah oui! Ah ça c'est pratique! Lexi, faut l'espèce à utiliser morsure, spécimen vaincu, spécimen attrapé. Spécimen vaincu, on se souvient que t'en as mis KO. Hein. Oui. Alors, on voit où ils sont et les conditions de rencontre. Ah c'est marrant. Cool. Cool. Est-ce que tu veux. Tiens, on va aller accomplir. Reparler à. Oui? Tu veux parler à quoi? Je voulais aller reparler à Aurel. Ok. Qui est là-haut. Il est là-haut, hein. Je sais pas. Je crois qu'on l'a laissé là-haut, tout à l'heure. Ah ouais. Ah, c'est marrant, regarde, quand c'est escarpé, c'est dur. Membre non, galaxie. Il est difficile d'attraper un Pokémon en pleine forme. Prendre la tâche plus aisée pense à réduire ses PV en combat ou encore à le paralyser avec l'attaque éclair de Lixi, par exemple. Oh, bon, t'as vu, c'est d'autres baies, elles sont oranges. Attends, on va envoyer un Kenotor. Attends. Là. Tu vois, pourquoi que Kenotor, c'est parce que c'est lui qui fait tout dans Diamant et Perle. Ah, il y avait Castorno aussi. Ah oui. Donc, faut que j'appuie sur R. Hein? Non, c'est R. Comme si tu l'attrapes. Ouais. Oh, c'est trop sympa. T'as tout attrapé. Bah, j'ai tout ramassé. Alors, tu veux parler à lui? Oui, c'était pour la suite. Petit rappel des conseils. Si tu fixes un Pokémon avec ZL et que tu appuies sur le bouton bas, ça ouvre le Pokédex. Comme ça, tu peux facilement vérifier les tâches Pokédex liées à cette espèce. Essaye de regarder les tâches à accomplir pour Étourmi, par exemple. D'ailleurs, pour l'une de tes tâches, tu dois capturer un Étourmi sans te faire voir, non? Bah, tu l'as déjà fait. Déjà fait, sans que tu me le dises. Pour l'accomplir, il te faut cacher dans les hautes herbes exactement comme tu avais fait pour l'épreuve. Vas-y, essaye. Ah, du coup... Ce que t'avais réussi et qui s'est affiché, c'est un peu comme dans Pokémon Go. Oui. Allez, moi, je pars t'attendre plus loin devant. Si t'as accompli une tâche, viens me voir. Bon, on l'a déjà fait. T'as vu, quand il est parti, il y a mon œil qui le suivait. Oui. Est-ce qu'on devrait peut-être déjeuner? Parce que mine de rien. Oups. Ah bon, bah, sur ce. T'as fait sortir Konotor, comme ça. Sans faire exprès. On va lui parler un peu. T'as faim, Konotor? Oui, hein. Je crois qu'il se fait faim. Ah, t'as vu comme je suis contente. C'est trop bien. Bah, il est temps qu'on déjeune quand même, même si on fait cet épisode spécial. Oui, parce que je reprends bientôt, en plus. Ouais. Et en tout cas, c'est très plaisant de continuer l'aventure. On a de plus en plus de possibilités. Mais en fait, on continue le didacticiel, en fait. Ouais, tu vois. Il est long, le didacticiel. Mais t'as pu te changer. Oui. Et changer ta tenue vestimentaire et tes cheveux. En fait, comme le gameplay il change complètement, c'est normal qu'il y ait une longue étape d'apprentissage. Mais on espère que cette vidéo vous a plu. On vous retrouvera ce soir pour une prochaine vidéo. Ce soir. Faire la suite. Bye bye. Oh cool, ce soir.